Baba Coral Oyo Koreki CPK Gaki Jejeki Pefliki. Oh, see me.
Saint-Esprit, je suis Papa Nzaou Mabumba Daniel, dirigeant national de la Chorégraphie France et inspiré en même temps. Ma présence ici est pour expliquer la chanson que nous venons de chanter au culte de ce jour. La chanson nous dit ceci: Seigneur miséricorde, pardonne-nous, écoute-nous. Tu m'as envoyé sur cette terre pour faire ton travail. Mais une fois sur terre, Satan s'est adressé contre moi. Et moi, je me demande comment faire pour vaincre Satan. Sur cette terre plutôt, remplie de péchés, remplie de combats, je veux que toi, tu sois mon bouclier. Et fais de moi ce que tu veux, mon Dieu Kimbangu. Voilà ce qu'est dit la chanson en bref. Et j'en ai intervenu ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bonjour, je suis Papa Mac de la chorale Papa Xolokele au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Donc je suis Papa Mac de la chorale Papa Xolokele. Nous venons de chanter tout à l'heure un cantique qui est en Lingala. Donc voici la traduction littérale de la cantique que nous venons de chanter tout à l'heure. La cantique dit ceci: mes larmes ne cessent de couler, jusqu'à quand mes lamentations cesseront? Mon cœur est rempli d'amertume, Seigneur, j'implore ton pardon. Mes lamentations, à quand tu me combleras de joie? Mes semblables sont toujours dans la joie. À quand tu me combleras de joie? Voici la traduction littérale de la chanson que je viens de chanter. Merci beaucoup.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me nomme, je suis Papa Childéric Mpangou. Je suis le dirigeant national du groupe théâtral Kimbanguste, Je t'ai qui en sigle, de la République française. Aujourd'hui, c'est un grand événement. Il y a eu le baptême aujourd'hui. Et à ce qui concerne le Je t'ai qui, nous avons chanté la chanson qui parle de trois programmes en fait. Il y a des reconvertis, des convertis et les catéchumènes en fait. Et dans la chanson, l'idée maîtresse de la chanson est que quelqu'un qui était dans un profond sommeil, dans un grand trou, et qui s'est relevé, et du coup il va suivre l'Éternel en quelque sorte. Et du coup, dans la deuxième partie, qui explique que le chemin que tu as emprunté est rempli de beaucoup d'épines. Alors il faut vraiment enfoncer, il faut être que tu sois apte, il faut que tu sois vraiment, comme on dit à Lingala, mundimi en fait. Et du coup, si tu tiens fort, et c'est ces mots-là que tu es devenu aujourd'hui, par exemple, on t'appelle chrétien, et c'est par ces mots que l'Éternel qui va te ressusciter dans les derniers jours, comme on sait très bien dans les enseignements que nous apprenons au fur et à mesure qu'il y aura un jour, nous allons dormir pendant 3 jours, comme Christ l'avait fait. Après 3 jours, il était ressuscité. Et nous, c'est pareil. Avant que tu sois ressuscité, il faut que tu sois fort en tout, de respecter les commandements, comme on dit dans notre église, Bolingo, Mibeko et Misala. Donc voilà en quelque sorte ce que le JTQ nous a donné aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh!
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Papa Nsangou Paul. Je suis le dirigeant responsable deuxième adjoint au sein de la chorale des dirigeants de Paris Saint-Denis. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes le 21 avril, c'est le jour où l'Église a décidé de recevoir le nouveau fidèle, de réintégrer le Saint-Élama et recevoir le Sekoki. Donc nous, à la chorale des dirigeants, nous avons chanté une chanson, on va dire, dédiée donc aux baptisés d'aujourd'hui. Alors c'est une chanson qu'on a l'habitude de chanter, mais on a jugé bon de la réchanter aujourd'hui pour pouvoir conforter nos frères et sœurs qui sont accueillis aujourd'hui au sein de notre église de Jésus-Christ sur la terre, l'église de Papa Simon Kimbaro. Alors la chanson s'intitule « Mondimia Kombo ». Alors j'ai fait la traduction, une petite traduction en français, ne m'en tenez pas rigueur, c'est une traduction on va dire littérale. Donc j'ai traduit mot pour mot. Alors donc « Mondimia Kombo » en français, on appelle, nous on l'a traduit comme « chrétien de façade ». Alors qu'est-ce que la chanson dit ? La chanson dit ceci, alors tu es appelé chrétien afin de concrétiser la volonté divine. Ceci passe par le baptême pour porter la croix avec Jésus. Tu as été averti afin de refléter l'image du Christ à travers un comportement digne de chrétien. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbaro est pur, d'où les fidèles doivent demeurer dans la sainteté. Tu es appelé chrétien. Hormis le fait de demeurer ferme dans la foi, tu dois également résister devant toute épreuve et t'appliquer afin de parvenir à la victoire du Christ de par ton statut de chrétien. Le refrain dit ceci. Tu es devenu chrétien par le baptême, mais tu ne mesures toujours pas la lourdeur de cette responsabilité. Tu portes le nom de chrétien en vain. Le solo dit ceci. Inspire-toi de tes amis qui sont irréprochables dans leur comportement, car le tien reflète celui des païens. Le deuxième solo qui dit, sinon tu travaillerais en vain, malgré tes sacrifices de jour et nuit au sein de cette église. Le troisième solo, même mes prédications quotidiennes ne produisent aucun fruit, car tu les prends à la légère. De là, c'est Papa qui nous parle. Le quatrième solo dit ceci, toujours Papa qui s'adresse à nous. Repens-toi, mon ami chrétien, de peur de passer à côté de la gloire éternelle. Le cinquième solo dit ceci. Où en es-tu avec les commandements, l'amour et le travail? Et le dernier solo, pour conclure, dit ceci. Pitié pour toi, chrétien, d'étiquette ou chrétien de façade. Voilà, c'est le contenu de la chanson Mondimia Kombo. J'en ai fini aussi, ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.